Oui, le vivre ensemble est une réalité. S'il y a des zones d'ombre, c'est le manque à la confusion entre autorités religieuses et autorités traditionnelles. Et cela freine le vivre ensemble parce que les gens ont tendance à confondre la tradition et la religion. Mais si on se base sur le principe de la religion, l'islam prône la paix, l'islam prône le vivre ensemble, voire la bonne cohabitation. D'où il y a des versets qui autorise le musulman d'épouser un chrétien, le musulman de manger ce que le chrétien a égorgé. Mais compte tenu de la culture, on voit que c'est des choses qui sont impossibles. Mais parce qu'il y a la confusion entre la tradition et la religion. Donc j'implore notre gouvernement de restaurer cette autorité compétence indépendante. Compte tenu de la confusion entre la religion et la tradition, le mal, la source de ce mal est le non-respect de l'aspect de titre autoritaire tel que notre constitution l'a indiqué, l'autorité religieuse et traditionnelle. Parce que dans le Grand Nord, il y a l'exurbation de titres des autorités traditionnelles qui se disent être les véritables imams, les imams qui ont eu des connaissances pures de la religion sont les représentants. Donc on a tendance à voir tous les prises de décision concernant la religion dans le Grand Nord et orientées aux chefs traditionnels, alors que les chefs traditionnels, c'est des entités héréditaires selon leur ethnie et coutume et non selon la religion. Donc de ce fait, ils ne peuvent pas prendre des bonnes décisions, ils deviennent des dictateurs au niveau de ces autorités religieuses. Ils ont la même mise, ils n'ont pas la décision de la parole. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a l'amalgame entre la religion et la tradition. Mais sinon, au point de vue de la religion, la jeune fille a les mêmes pieds d'égalité que le jeune garçon. C'était au départ la bataille de notre sensibilisation qu'on a commencé par des écoles coraniques. Et jusque là, on sait que cette bataille a gagné. On a fait alphabétiser beaucoup de filles et à l'heure actuelle que je parle, on a formé plusieurs filles en couture à la broderie sans l'accompagnement de qui que ce soit ni de l'État, mais avec la collaboration des parents et la volonté de nos membres. Bon, généralement chez nous, compte tenu du contexte culturel, le garçon n'a pas à faire les tâches ménagères à la maison. S'il n'a pas bien été canalisé et suivi, des fois il n'arrive même pas à fréquenter avec la mauvaise compagnie. Et cela lui conduit à prendre des stupéfiants et des fois aux petits vols tels que le vol des casseroles, le vol des chaussures. Et dans nos assistants sociaux au niveau de la prison, on trouvait ce genre de catégorie de garçons. On s'est dit pourquoi pas associer le jeune garçon s'il n'a pas eu la chance de faire les études, mais au moins il peut apprendre un petit métier afin de survivre. Donc voilà pourquoi on a associé le jeune garçon dans le cadre de notre cible. Donc l'assistance au niveau de la prison, on a commencé cela depuis 2007 avant la crise insécuritaire. Donc, et sur le terrain, on a fait aussi trouver les missionnaires, nos frères missionnaires tels que les catholiques et autres. Donc cela nous donne une complémentarité de voir qui sont des musulmans et qui sont des chrétiens pour une instauration de la vie armoriée au sein de leur cellule. Parce que le constat, après le dialogue avec les différents détenus, on constate que la religion musulmane ordonne les trois prières dans la nuit, notamment le maghrib, le isha et le soub. Donc et nos frères chrétiens, il y a des temps qu'ils peuvent aussi faire le choral. Donc cela amène certaines discordances au sein de leur cellule. Donc on a pu instaurer le dialogue entre communautés et faire-le comprendre le respect mutuel de leur religion et aussi leurs obligations à l'obéissance et de croire au destin. Parce que souvent on constate, une fois la personne, surtout le jeune qui est en prison, au lieu qu'il soit encore rééduqué pour devenir utile dans sa société, il devient encore pire parce qu'il n'a pas eu une révélation de la croyance, d'avoir le foi, c'est le destin qui vous est conduit, et de croire aussi l'institution
du milieu carcéral que l'État a mis des moyens pour vous encadrer. Ce n'est pas une punition parce qu'on ne veut pas de vous, mais plutôt c'est pour que vous réfléchissiez et vous repentissiez à vos erreurs afin d'être utile dans la société. Donc voilà tant de choses que nous encadrons les personnes dans les prisons à travers la sensibilisation, à travers la prééducation, à travers les enseignements d'alphabétisation. Bon, je peux vous assurer, nous sommes au quotidien au chevet de ces différentes familles. Nous écoutons toujours leurs doléances. Et cela dit, dans les zones reculées, non seulement la misère de la famine, le manque d'assistance réelle, l'assistance sociale ou alimentaire qu'ils se plaignent, et aussi la disparition de leurs documents officiels tels que les actes de naissance, les CNI, cela leur rend toujours leur vie encore en danger, parce qu'étant dans les zones reculées, et encore si on se surprend non identifié, automatiquement, on peut le confondre avec un malfaiteur ou bien un Boko Haram. Donc, c'est des cas précaires que les gens reculés qu'ils vivent en plus de l'insuffisance alimentaire et encore le manque de pièces officielles. Et en ce qui concerne ceux qui ont vécu en zone urbaine, notamment les attentats de 2016 dans mon propre quartier Barmare ainsi qu'au marché et au pont vert, si on courtoie les différentes familles qui ont subi ces attaques, il y a des de victimes qui ont reçu des blessures, et ainsi que les personnes, les pères de famille disparus, que là, leurs familles sont dans la souffrance, et voire même certains de ces enfants ne partent pas à l'école par manque de soutien. Et alors qu'on entend dans les médias, il y a des plans d'urgence, le soutien du gouvernement, les ONG, mais si on vit vraiment sur le terrain, on rencontre les véritables victimes, on entend tout ce qui se passe du folklore. Donc là, je rends hommage aux forces du ministère de l'Ordre. Vu l'insécurité qui a régné aux zones anglophones, cela a peut-être baissé l'effectif qui sont au front au niveau de l'extrême nord, parce que la plupart de ces zones se plaignent que pas manque d'aliments alimentaires qui les préoccupent plus, mais par manque d'effectifs, des assistances, des force de maintien de l'ordre. Notamment la dernière attaque d'Ngéchewe, si on se repère, on a au moins 11 036 habitants, y compris avoir 3 000 déplacés, donc avec 16 GP qui surveillent tout ce beau monde de la population qui est aussi à une zone frontalière, c'est vraiment insuffisant. Donc le moment que le gouvernement est parti faire l'assistant, présenter les condoléances du gouvernement auprès de ses victimes, la doléance auquel que les comités de vigilance ont approprié, pas la nourriture qu'on les a attribuée qui est nécessaire, le plus urgent c'est d'accroître l'effectif des forces de maintien de l'ordre sur ces zones.